Mince. Toutes les répliques cultes qui sont là, et puis dans cette ville qui est la capitale de la bande dessinée, c'est un monument pérenne, ça va rester. Et dans plusieurs générations, j'espère que les gens pourront l'apprécier autant qu'on l'apprécie aujourd'hui. Oui, c'est formidable. Très émue, bien sûr. D'abord, je pense évidemment à mon père, mais je pense beaucoup à ma mère qui est beaucoup venue ici et qui aimait beaucoup venir ici parce qu'elle retrouvait ses copains auteurs et cette bande dessinée qu'elle aimait tant. Et puis je pense à mes enfants qui n'ont que 14 et 16 ans, mais qui un jour, dans pas si longtemps, prendront ma place et pourront venir vérifier que l'obélisque est toujours là et en place. Et c'est formidable de pouvoir s'inscrire dans le temps, l'obélisque et moi.